Enjoy some food. Tout le monde n'est pas arrivé. Et il reste qu'un dominicain. Juste. Le dernier dominicain. Dans deux le micro dernier des Mohicans. Ah, les autres ont disparu. Ok. Ah, il y en a un. Mesdames et messieurs, signore et signori, Madame l'ambassadrice, je vous propose que nous reprenions dès à présent nos travaux pour finir dans les temps un tout petit peu avant 17h. Alors, je suis très heureuse de vous accueillir pour ce panel de l'après-midi autour de Maritains et les artistes au sein de ce colloque sur les Maritains et Rome qui prend la suite de la précédente rencontre que nous avions eue il y a à peu près un an. Sur les Maritains à Rome. Donc là, on prolonge notre réflexion en vue d'aboutir à un très beau livre pour l'année prochaine. Donc nous aurons lors de cette session trois intervenants auxquels je vais très rapidement passer la parole. Donc, je vais les présenter l'un après l'autre. Ils auront chacun 25-30 minutes maximum de présentation. Donc notre première oratrice est à ma gauche, c'est donc Madame Giulia Radin, qui est docteur en études italiennes de la Sorbonne avec une thèse donc sur Pétrarque et la tradition patristique. Elle est également l'éditrice d'un certain nombre d'œuvres poétiques, mais également de la correspondance de Maritain avec différentes personnalités dont parler, en particulier avec Gino Severini, mais aussi, lors d'un autre ouvrage, elle a travaillé sur la correspondance de Maritain avec Ungaretti, Sofici et Papini. Elle est actuellement donc directrice de la bibliothèque et des archives du Centre Natalino Sapegno pour les études historiques et littéraires qui se trouve dans le Val d'Aoste à Morgé. Donc je lui laisse tout de suite la parole pour une intervention intitulé Gino Severini et Jacques Maritain. Merci. Merci. D'accord. C'est bien, merci. Avant de commencer mon intervention, je tiens à remercier vivement les organisateurs du colloque pour cette invitation et aussi Romana Severini de nous avoir rejoints aujourd'hui avec sa nièce Alessandra et sa fille Martina. Je suis très émue d'intervenir dans ce haut lieu de culture et d'études et de partager avec vous, avant tout, je dirais, le sentiment d'une grande amitié que j'ai eu le privilège d'étudier de très près, il y a désormais 15 ans, lorsque j'ai édité la correspondance entre Severine et Maritain, d'abord en français, langue dans laquelle sont écrites les 203 lettres qui se sont conservées, et en assurant tout de suite après leur traduction intégrale en italien. La lecture, la transcription, la notation de cette correspondance abordant des sujets tels que la politique, l'art, la théologie, tout comme des faits très quotidiens, m'ont permis de fréquenter pendant un certain temps Gino et Jacques, et avec eux leur famille, qui joue un rôle de premier ordre dans cette amitié. Je les ai suivis tous, entre Rome et Paris, la Suisse et les États-Unis, pendant un long bout de chemin, la première lettre datant de 1923, la dernière de 1966. Et j'ai pu en quelque sorte m'approcher du secret de cette longue et tenace fidélité. En lisant ces lettres, on ressent en effet la bienveillance que l'on réserve à ceux qu'on aime, qu'on estime, qu'on admire. Une bienveillance qui permet de dépasser de temps en temps certaines intempérances ou des très longs silences ou un point de vue différent sur un thème qui nous tient pourtant très à cœur. La correspondance Severini-Maritain est en effet parsemée de réflexions et de confidences qui témoignent d'un véritable échange pendant 40 ans entre deux hommes qui sont d'abord deux penseurs. D'un côté, il y a un artiste qui a toujours eu un don très remarquable de discuter, de raisonner son art, comme le remarquait en 1925 Charles Journet. En effet, pour Severini, fare et pensare sono inseparabili,
comme il le déclare lui-même en écrivant à son ami Ardengo Soffici et comme le confirme la vaste série d'articles, de comptes rendus et de traités sur l'art que le peintre nous a laissés. De l'autre côté, il y a un philosophe à la sensibilité exceptionnelle qui sait lire un roman comme un romancier, lire la poésie comme un poète et regarder un tableau comme un peintre. Ce sont les mots de l'écrivain Gordon. Un philosophe dont l'esthétique naît du dialogue avec les nombreux artistes qui l'entourent et se nourrit au fur des années par ce dialogue, comme le montre bien la comparaison entre les différentes éditions d'art et scolastique, et notamment les notes de cet ouvrage, parmi lesquelles on retrouve le nom de Severini depuis la toute première édition, bien que les deux hommes ne se connaissent pas encore. Néanmoins, aussi intense qu'il fût, ce dialogue, comme on le sait, ne porta jamais Maritain à se lier à une orientation artistique particulière, ni à promouvoir une école spécifique. Sa pensée demeure une esthétique. Les réflexions de Severini, par contre, évoluent souvent au niveau de la poétique. Et c'est bien ce décalage qu'il comporte de temps à autre, comme l'a remarqué avec justesse Piero Viotto, quelques incompréhensions, surtout quand le peintre écrit au philosophe en tant qu'artiste blessé, vexé par certaines polémiques, se sentant visé dans ses principes. Alors que quand Severini se fait médiateur et promoteur de la pensée de Maritain auprès d'autres artistes, il démontre d'être tout à fait conscient de cette différence de perspective. Résumer 40 ans en une demi-heure, même 25 minutes, n'est pas simple. J'aurais pu aujourd'hui me pencher sur le portrait de Raïssa, esquissé maintes fois par Severini et resté à un niveau d'étude, ou bien sur le portrait jamais réalisé de Jacques. J'aurais pu revenir sur les liens qui se nouèrent entre les deux familles, les deux fils de Gino, morts hélas en très bas âge, portant le nom de leur parrain Jacques, ou évoquer le fait que Severini peignit plusieurs tableaux remarquables dans le même atelier de Meudon où Maritain avait rédigé auparavant nombre de ses ouvrages philosophiques. C'était à l'époque où Maritain était ici à Rome, en effet. Pour que vous puissiez mieux saisir quel type de dialogue s'instaura entre Severini et Maritain et l'enjeu que cet échange eut dans un cadre plus général aussi, j'ai choisi toutefois de porter votre attention tout spécialement sur une lettre dont j'ai tiré le titre de mon intervention, rédigée par le peintre le 18 juillet 1927. Cette missive s'inscrit dans une réflexion qui hante véritablement Severini au cours de cet été et qu'on a la chance de pouvoir suivre de très près en lisant la correspondance avec Maritain en parallèle avec celle avec Soffici, dont j'ai d'ailleurs déjà évoqué un passage perché, come tu sai, per noi pittori fare e pensare sono inseparabili. Tiré d'une lettre écrite le 16 juillet 1927, c'est-à-dire deux jours avant la rédaction de la lettre à Maritain, dont nous allons lire ensemble quelques passages. Il s'agit d'une très longue lettre que Severini adresse au philosophe depuis La Roche, un minuscule village du canton de Fribourg en Suisse, où il vient de s'installer pour débuter la décoration de l'église paroissiale. Il faut rappeler que Severini s'était déjà essayé en 1924-26 à l'art sacré, ou mieux à la décoration de la maison de Dieu, l'art d'église n'étant, selon Maritain et Severini, qu'un point d'application particulier de l'art chrétien. Il avait commencé néo-converti ce nouveau genre d'intervention artistique, présentant de considérables contraintes, par la médiation et les contacts du philosophe qu'il avait connu en 1923. Le peintre avait participé à un concours en Suisse et il avait obtenu la décoration presque complète de l'église d'une autre petite commune rurale du canton de Fribourg, Saint-Salle, qui venait alors d'être tout fraîchement bâtie. Les archives maritaines fournissent des sources précieuses pour connaître les nombreuses difficultés, aussi bien techniques que spirituelles et humaines, auxquelles Severini dut faire face pendant la décoration de cette église, qu'il qualifia de première église en style cubiste, et pour comprendre les solutions qu'il envisagea pour les résoudre.
Severini était bien conscient de l'enjeu majeur de son travail, car il avait non seulement bien étudié les réflexions sur l'art religieux de Maritain, mais il était en dialogue constant avec un groupe d'artistes suisses, le groupe de Saint-Luc, qui se proposait le renouvellement de l'art religieux. Dans les archives maritaines, on retrouve non seulement des lettres, mais aussi des photos, vous en voyez quelques-unes, des petites maquettes qui servaient à tenir au courant les trois maritains du travail que Severini menait à Saint-Sal. Ce fut donc avec beaucoup de soulagement que le peintre accueillit leurs félicitations pour sa réussite, car il avait beaucoup réfléchi à l'iconographie et aux techniques à employer, sachant que le but de son œuvre était non seulement d'orner, mais aussi de parler clairement aux fidèles. C'est une citation tirée d'une lettre écrite à Maritain le jour de Pâques 1925. En arrivant à La Roche, toutefois, le moral de Severini est au plus bas. Son intervention doit s'insérer dans un cadre bien différent par rapport à Saint-Sal, car l'église de La Roche a déjà son style, et il s'agit d'un style que Severini n'aime guère. Je vous avoue que je suis profondément découragée au sujet de l'art en général et de l'art religieux en particulier. Je suis loin d'avoir le bel enthousiasme de Saint-Sal. Peut-être, après ce travail, je renoncerai à l'art religieux, je n'accepterai plus de travailler dans la maison de Dieu. Je me trouve en tournant de ma vie qui m'impose une sorte de révision de ma valeur. Je me passe donc au crible d'un jugement des plus impitoyables, en considérant ce que j'ai pensé et fait, en rapport avec ce qui a été pensé et fait autour de moi. Vous vous souvenez, fare et pensare sont inséparables. Dans cette lettre, qui est un impressionnant témoignage d'auto-analyse, Severini résume les phases de sa vie de peintre. Il évoque les soirées passées à discuter avec Juan Gris, avec Picasso, Modigliani, et il conclut, c'est un très long passage, mais les italophones peuvent trouver la traduction sur les diapos. Et non seulement l'art moderne me semble tourner plus vers le passé que vers l'avenir, non seulement il me semble en général relever davantage du goût de l'arrangement de la modiste plutôt que d'une vraie création poétique, il avait écrit artistique, mais il se corrige en écrivant à Maritain, mais il est en outre immensément triste. Cela vient de son contenu philosophique, qui est le plus souvent rempli de désespoir, de scepticisme, de mépris. Tout cela est toujours le résultat du paradoxe de la plaisanterie prise au sérieux, et aussi du scepticisme, et aussi et surtout de l'absence de Dieu au centre de l'être, de l'ouvrier d'art, et tout cela nous a empoisonnés, car par cela nous sommes dans la ligne du mal et non dans celle du bien. Mon intention, mon cher Jacques, était de sortir de ce gâchis par le seul chemin qui me semblait bon, par un retour à ce que j'en suis sûre est la vraie spiritualité, par l'étape des rigueurs constructives d'abord, et par un retour sincère à la fois ensuite, je pensais, et je le pense encore, d'être sur ce bon chemin qui peut conduire mon art sur la ligne du bien. Mais toute mon époque artistique, ou presque, est sur la ligne opposée. J'ai sans doute encore en moi et bien vivant des éléments relatifs à cette dernière ligne, je suis trop faible pour les détruire et je me débats dans une lutte terrible entre le bien et l'art. Peut-être la famille et l'art moderne sont incompatibles et qu'il faudrait vivre comme Modigliani et d'autres à la rotonde, c'est-à-dire dans la boîte à ordures. Peut-être aussi la religion, la foi et l'art moderne sont pour le moment incompatibles aussi et il faudrait s'abstenir de faire de l'art religieux. Severini avait déjà réfléchi au rapport qu'il lie l'artiste à la société des hommes dans laquelle il vit. Si on lit un texte de 1913, Art du fantastique dans le sacré, Severini était encore loin de se convertir, on y trouve une surprenante comparaison entre les primitifs chrétiens et ceux que Severini qualifie de primitifs futuristes, une comparaison qui se fonde entre autres sur leur même rôle social. Il écrit « L'art devient expression de l'univers lorsque, par des moyens abstraits et métaphysiques, il exprime les croyances et les convictions résultant du moment éthique et métaphysique de l'époque. Le XXe siècle signe définitivement le triomphe de la philosophie futuriste et l'art abstrait qui en résulte est le grand art religieux qui donnera des chefs-d'œuvre futuristes pendant des siècles. »
S'il est loin du bel enthousiasme de Sansal, à l'été 1927, Severini est évidemment ô combien loin de l'optimisme et des certitudes inébranlables de 1913. Une profonde fracture sépare désormais le peintre du contexte qui l'entoure. Et c'est bien dans ce moment de doute, d'amertume, voire d'angoisse, qu'il ressent très fort le besoin de se livrer à Jacques Maritain. Je m'aperçois, mon cher Jacques, que finalement je vous ai écrit une vraie conférence. Je vous ai dit tout ce que j'avais sur le cœur depuis longtemps, sachant que vous recevrez fraternellement mes confidences. Vous qui vivez, comme vous le dites, dans le ciel des principes, vous ne pouvez pas vous apercevoir de bien de choses. Vous jugez aussi avec tant de charité et vous avez l'optimisme de l'homme bon et sûr de soi. Mais moi, c'est autre chose. La vérité est qu'un jugement sur l'art moderne est bien, bien difficile. C'est une vérité aussi que le milieu social ne favorise nullement l'élévation de l'art. Deux grandes tendances, le bolchevisme et le fascisme, se partagent la suprématie des esprits. Triste situation, celle des peuples qui sont pris entre ces deux courants et par conséquent des artistes qui sont le miroir de ces peuples. Maritain demeure dans le ciel des principes, alors que les artistes à Paris vivent dans la boîte à ordures. Pour continuer sa réflexion sur l'art moderne, Severini se tourne donc vers l'Italie, où il croit déceler, dit-il, un periodo di felice e ordinata ricostituzione sociale. Par la suite, il sera très déçu, évidemment. S'il s'intéresse à l'attitude des artistes italiens, Severini n'abandonne jamais pour autant la pensée de Maritain, qui est au contraire au centre de ses réflexions et des lettres qu'il adresse à Soffici à cette époque. Le 18 juillet, Severini remercie en effet le philosophe de lui avoir envoyé la nouvelle édition d'Art et Scolastique qu'il vient d'expédier à Florence à Soffici, accompagnée, vous l'aurez compris, par la lettre du 16 juillet. Dans cette missive, le peintre confie à son ami des années futuristes d'aver messo molto ordine e chiarezza nel proprio modo di pensare sull'arte e che l'évolution de sa pensée est due al lavoro, perché come tu sai per noi pittori fare e pensare sono inseparabili, ma anche molto all'amicizia, alla frequentazione di un uomo che ho sempre desiderato di farti conoscere, che è Jacques Maritain. Maritain è un filosofo e si definisce lui stesso filosofo tomista, non si occupa dunque dell'arte come potrebbe farlo un critico. Il libro che ti mando, Art Scolastique, è una reedizione. La prima volta uscì in forma modestissima nel 20, ebbe un successo en profondeur, gli artisti se ne accorsero poco, ma da allora le cose sono cambiate. La conversione di Jean Cocteau ed altri hanno molto impressionato e venivano già in un momento di grandi e serie aspirazioni verso la spiritualità. La réponse de Soffici ne se fait pas attendre. Bien qu'il juge Art Scolastique une œuvre de capitale importance et qu'il considère très important de la faire connaître, specie in Italia, specie in questo momento, Soffici exprime toutefois quelques réserves dont on peut déceler plusieurs traces dans la lettre que Severini adresse à Maritain le 27 juillet. Vous la lirez dans les actes intégralement, mais il commence en disant « Plus je réfléchis, mon cher Jacques, à mon cas, en rapport avec l'art moderne de Paris, et plus je sens que je suis éloignée de cet art tout nourri encore d'éléments que je ne puis plus admettre. » Le 30 juillet, Maritain prend le temps de répondre longuement, profondément ému, dit-il, par tout ce que les deux lettres de Gino lui montrent de son âme et de son admirable courage d'artiste au milieu des terribles difficultés de leur époque. Ne croyez pas, mon cher Gino, que je juge l'art moderne avec trop d'optimisme. Oui. Je vois l'état que vous voyez, mais c'est l'affaire du critique, non du philosophe, de formuler et d'expliquer tous ces jugements engagés dans le temps. D'un art et scolastique, je devais ne retenir que de tout cela que ce qui peut intéresser une doctrine universelle de l'art. D'autre part, je crois que l'art moderne doit être délivré. Ce n'est pas lui qui est pourri. Il est au contraire en tant qu'art rempli de richesses et tourné vers une certaine pureté. C'est la spiritualité de l'artiste qui est pervertie par le scepticisme dont vous parlez si justement et par tant de poisons moraux.
Deux semaines plus tard, la lettre que Séverine adresse à Sofić est une traduction presque littérale des mots de Maritain qui permettent au peintre d'arriver finalement à maîtriser sa crise morale. C'est en effet en espérant suggérer à d'autres artistes la solution à des problèmes d'ordre aussi bien artistique que moral, que Severini rédige tout de suite après un compte rendu d'art scolastique pour la revue Critica Fascista, où son texte paraît le 1er février 1928. Se gli artisti lo hanno accolto col massimo interesse è che vi hanno trovata la soluzione di più di un problema, sia dal punto di vista dell'arte sia dal punto di vista della morale. Chi oserà negare oggi che questi due punti di vista sono inseparabili e che dal modo con cui l'artista si ricongiungerà all'uomo avanzando nel cammino della vera spiritualità, molto bene o molto male potrà venire alla civiltà? Questo libro può aiutarci molto a uscire dal disordine immenso che abbiamo ereditato dal XIX secolo e a ritrovare le condizioni spirituali di un lavoro onesto. Severini avait entre-temps trouvé une solution pour la décoration de l'église de la Roche, car la lettre de Maritain lui avait redonné le courage nécessaire en l'aidant à retrouver les conditions spirituelles pour réaliser un travail honnête. Mais quand vous regardez le passé, vous comprenez bien que rien n'a été inutile, toutes les expériences et tous les efforts ont servi et vous ont justement mis dans la tête et dans le cœur et dans la main les moyens dont vous avez besoin pour résoudre pratiquement le problème. Vous remarquerez que Severini note sur l'enveloppe de la lettre Maritain important. Si Maritain se limite à évoquer ces trois niveaux, la tête, le cœur, les mains, c'est qu'il est conscient d'avoir en face un interlocuteur à mesure de le comprendre et d'établir le lien avec les réflexions beaucoup plus approfondies que le philosophe avait consacrées à l'art chrétien et à la religion en particulier, qui venaient occuper une place importante dans l'édition d'art scolastique que Severini avait à ce moment-là entre les mains. En effet, quand il réfléchit au sujet de l'art chrétien, Maritain affirme que l'œuvre chrétienne veut l'artiste libre en tant qu'artiste. Les artistes qui désirent produire une œuvre chrétienne ne doivent donc surtout pas essayer de faire chrétien, de suggérer une émotion chrétienne, mais ils doivent d'abord être chrétiens, avoir un cœur possédé par la grâce. L'art devient chrétien en effet en raison d'une surélévation, et cette surélévation a lieu par l'amour, par la charité, une vertu supérieure à art et morale qui peut les réconcilier. D'autre part, la conversion et la purification du cœur ne sont pas des conditions suffisantes à la naissance d'une œuvre d'art. La foi vivante du chrétien doit être accompagnée par le génie du peintre, comme le dira Charles Journet. Le grand art chrétien apparaît lorsqu'il y a incidence de la foi contemplative dans les puissances créatrices de l'art. Et c'est bien à cause de cela que Maritain insiste dans sa lettre sur la maturité artistique acquise par Severini. Vous savez maintenant assez de choses pour vous laisser aller aux instincts profonds de votre nature. Et lui suggère de revenir enrichi de tout ce qu'il avait tenté expérimenter à Paris à sa nativité spirituelle et poétique. Le cœur, la main, troisième point évoqué par Maritain, la tête, qui ne fait pas seulement allusion à la capacité de réfléchir son art, mais aussi à la culture théologique qui doit être parfaitement maîtrisée par l'artiste, car, comme le dit Maritain dans ses réflexions sur l'art religieux, l'art sacré est dans une dépendance absolue à l'égard de la sagesse théologique. C'est sans doute grâce aux mots de Maritain que nous venons de lire que Severini trouva le courage de s'adonner encore une fois, âme et corps, à la décoration de la maison de Dieu, qui lui imposa d'un côté une étude approfondie de la tradition iconographique afin de réaliser des œuvres en mesure de parler clairement aux fidèles. De l'autre, lui imposa une expérimentation des techniques de la fresque et de la mosaïque afin de répondre à une autre contrainte de l'art religieux soulignée par Maritain. L'œuvre ne doit pas seulement être lisible, elle doit être finie, c'est-à-dire, comme l'explique Severini,
exécutée selon toutes les règles du métier et selon les exigences relatives à la forme d'expression choisie. Une récente recherche menée par des scientifiques, aussi bien que par des historiens d'art de la SUPSI de Lugano, a démontré combien Severini a travaillé ces techniques anciennes, dont celle du spolvero, tout en expérimentant ces dépigments modernes. Les efforts et les recherches menées par le peintre se traduisirent dans une œuvre d'art religieux encore plus remarquable. C'est avec ces mots que Maritain, en 1930, commenta en particulier la Sainte Seine peinte à la roche, dont vous venez de voir quelques images. La rigueur picturale laisse paraître un sentiment religieux plus librement exprimé, une émotion accrue. On sent que le peintre, plus sûr encore de sa main, peut davantage, mais toujours avec une belle discrétion, donner passage vers le dehors à ceux qui habitent son cœur. Et il conclut « Une recherche tenace de l'authenticité de la juste mesure, d'une parfaite probité et transparence dans l'ordre de la raison ouvrière comme dans l'ordre de la raison morale, a permis à Severini de fortifier l'une par l'autre la rectitude de l'art et celle de la vie, et du même coup les aspirations modernes et la tradition picturale des grands artisans au cœur naïf. » Pureté, enfance, raison, fantaisie, clarté d'esprit, sève populaire, sûreté de la vertu créatrice. Bien éloigné du néoclassicisme, il est avec simplicité un homme de notre temps. Il est aussi le frère des peintres qui vécurent à cette époque incomparable, il y a 600 et 700 ans, où la science et la réflexion, avant de se laisser conduire par les fanfares de l'orgueil, joignaient des certitudes déjà très humaines à une limpidité d'âme encore inaltérée. On ne s'étonnera donc pas que les dessins de l'ange de l'école de Raissa Maritain furent confiés à Severini et que les Maritains trouvèrent qu'ils correspondent merveilleusement au texte et à l'esprit du texte de Raissa. Si on compare ces dessins avec les travaux de Sansal et Laroche, on remarque d'ailleurs une profonde proximité de l'inspiration. Maritain remercia Gino pour ses dessins en juin 1934. Maritain venait d'être ici à l'Angelicum, tandis que Severini était en train de s'essayer à une œuvre encore plus exigeante et difficile dans l'église de Notre-Dame du Valentin à Lausanne. Le peintre avait accepté un nouveau travail dans la maison de Dieu, après avoir surmonté, encore une fois, grâce à l'intervention de Journet et de Maritain, une véritable querelle des anciens et des modernes, qui s'était déchaînée contre lui, avait failli faire détruire la Sainte Trinité qu'il avait peinte à Sansal. Quand j'observe les photographies de Severini sur les échafaudages de l'église de Lausanne, souriant alors qu'il peint un visage de l'enfant Jésus où l'on peut déceler les traits de son bien-aimé Jacques, le fils qu'il venait de perdre après une très longue agonie, alors qu'il peint une Vierge toute droite qui monte magnifique et dominatrice dans son splendide manteau vert sur un fond d'or roux, en transformant par sa sensibilité la géométrie en vie, ce sont les mots de Journet, je ne peux m'empêcher de penser à lui comme un prodigieux acrobate à mesure de trouver par ses propres moyens, dans la tête, dans le cœur, dans la main, un équilibre presque impossible. Voici d'ailleurs ce que Severini même écrivit en 1936 dans un article dont le titre est « L'art au service de l'Église ». Il nous faut faire les anges comme les faisait Giotto ou Fra Angelico, en cherchant à apprendre à ces peintres non leur procédé, ni l'aspect extérieur de leur personnage, mais leur esprit, leur sens de l'au-delà, leur vision intérieure du paradis simple et lumineuse, comme la foi des petits-enfants. Pour un art religieux inspiré de cet esprit, les problèmes naturalistes, néoclassiques, modernistes ou autres n'existent pas. Ils sont résolus d'avance par l'artiste qui a décidé à s'entraîner, à se perfectionner sans cesse dans les moyens, comme un acrobate, pour peindre ensuite avec tout son cœur d'homme, son Dieu qu'il aime. Je vous remercie. Merci.
très très grand merci pour cette présentation, non seulement parce qu'elle est parfaitement dans les temps, mais surtout parce qu'elle était passionnante et qu'elle nous a permis, au travers du cas de la correspondance entre Séverine et Maritain, d'aborder non seulement une relation personnelle entre les deux hommes, mais aussi un petit peu plus largement avec les Maritains. On voit encore ici avec la présence de Raïssa, qui est, et plus largement de sa sœur aussi, de Vera, qui a été mentionnée. Donc un itinéraire d'amitié, un itinéraire spirituel aussi, qui se déroule au long des 40 années de cette longue correspondance. Et puis au-delà de ces deux personnalités, des groupes, dont on aura sans doute l'occasion d'y revenir, des réseaux italophones, italiens, qui dessinent une forme de triangulation entre la France, la Suisse, l'Italie, et puis cette grande question de l'art moderne, question à la fois sur la forme, question morale aussi, la question de la morale revient souvent, et puis bien sûr, derrière cela, les questionnements politiques, avec la réflexion sur le fascisme, le communisme qui est extrêmement présent, en tous les cas dans les citations que vous nous avez présentées de la fin des années 20. Alors, je ne sais pas si la rotonde est une boîte à ordures, mais en tout cas, on va approfondir cette question de l'art moderne avec notre seconde intervenante, donc Madame Nicole Forti, que je vais présenter rapidement. Donc, on poursuit notre parcours très pluridisciplinaire de cet après-midi. Donc, Madame Forti est historienne de l'art. Elle dirige les collections d'art moderne des musées du Vatican depuis l'an 2000. Donc elle nous présentera aujourd'hui une intervention dont le titre est plus précis dans ce que je vois dans la présentation, donc qui parlera en italien, je suppose, in italiano. Sì, in italiano. Dunque, l'intervento a per titolo Paolo Sei et Jacques Maritain, note sull'arte contemporanea. Donc, 25-30 minuti. Grazie. Merci. Voilà. Ça y est. Voilà. Merci, merci beaucoup pour l'invitation, pour l'organisation. Madame l'ambassadrice, merci d'être ici. Et je vais tout de suite m'excuser parce que je n'ai pas préparé et traduit mon intervention en français. Et en plus, j'ai les citations de Maritain en italien. Donc, les traduire en français directement par moi-même, je pense qu'ils ne sont pas corrects d'un point de vue philologique. Donc, je parlerai en italien, mais s'il y a des problèmes, vous pouvez m'interrompre. Je peux essayer directement en français. Parlo in italiano anche perché spero che sia più incisivo questo percorso, che io ho immaginato esattamente all'opposto di quello che ci ha regalato adesso la collega. Che c'è? Ok. Flicca. E perché vorrei invece riportare attraverso le figure di Montini e di Maritain la riflessione, il dibattito e l'evoluzione della riflessione sull'arte contemporanea all'interno di un contesto storico molto più ampio nel quale si svolge e matura questa amicizia intellettuale che in realtà durerà per 50 anni fino alla morte del filosofo. Sono 50 anni cruciali per la storia culturale europea per le sue trasformazioni sociali, per le sue trasformazioni antropologiche e anche per il dibattito intorno alle questioni estetiche. E in questo dibattito la posizione dell'arte sacra, uso arte sacra come sinonimo di arte religiosa per Maritain, ma concedetemi questo scambio perché nella nostra lingua l'accezione mariteniana è tradotta con arte sacra e il dibattito sull'arte sacra contemporanea è assolutamente centrale, a conferma di come il divorzio fra chiesa e arte in realtà sia composto di moltissime componenti profonde che affondano le radici addirittura nel XIX secolo, ma che sicuramente non è fatto di indifferenza, non è fatto di allontanamento, non è un amore ormai finito, ma è un amore tormentato, è un amore
profondamente inquieto, costantemente frequentato. Ed è quindi, mi sembrava importante dare alcuni elementi di questo contesto molto complesso, di cui io cerco di dare alcuni snodi che mi sono sembrati fondamentali. Qui vedete Montini e Maritain a Castel Gandolfo negli anni del Concilio Vaticano II. Ora, chi avvicina Montini a Maritain e alla cultura francese? Padre Giulio Bevilacqua, che si era formato all'Istituto Superiore di Filosofia a Lovanio, alla Cattolica a Parigi, all'Università di Friburgo, e l'uomo che lo avvicina sicuramente ad Ambrogio e ad Agostino, agostiniano in Montini è il motto "noi siamo assettati di bellezza", ma che soprattutto lo avvicina alla cultura francese, dove Montini è proprio fisicamente presente a Parigi nel 24, quindi a Maritain, a Léon Blois, a Blondel, a Bernanot e a tutto il gruppo degli artisti, di cui Severini è uno dei capofila, insieme a Rouault, insieme a Chagall e a grandi intellettuali e poeti. È stato citato prima Jean Cocteau, Guiton e moltissimi altri, Charles Péguy. Non è inutile fare l'elenco perché sarebbe infinito, come è stato ampiamente ricordato. Ma soprattutto padre Giulio Bevilacqua apre Montini a un metodo di lavoro. Al centro c'è l'uomo contemporaneo, preda del dubbio universale dopo la rivoluzione cartesiana. Questa attenzione per l'uomo che poi guiderà Montini soprattutto nella sua attività pastorale. Qual è la situazione del dibattito a partire dagli anni 20, dall'inizio degli anni 20, e cioè con la prima consapevole e radicata e europea opposizione alle avanguardie storiche? Perché bisogna ricordare che tutto il movimento del Rappel all'Ordre è stato un movimento di fatto europeo, quello di avere posizioni molto diverse, molto distanti fra loro. È stato ricordato prima Soffici, i suoi articoli sulla voce fin dal 1910, i testi di Carrà, altro artista fondamentale per la diffusione dei testi di Maritain in Italia, che oltre ai suoi studi su Giotto e Paolo Uccello, nel 1914 scrive Arte moderna e arte popolare. Una attenzione quindi per la cultura e la tradizione primitiva da una parte, del primo Rinascimento, e veramente popolare, quasi artigianale dall'altra. Le espressioni sono molto diverse. Tullio Garbari, un artista interessantissimo, che come tutti gli artisti che stiamo citando, Severini in questo è una rara eccezione, hanno trovato rarissimamente posto all'interno delle chiese, all'interno del vero spazio sacro, cioè dello spazio religioso. È stato molto vicino alle teorie di Maritain, ha coltivato una pittura che affondava le radici nella tradizione del suo Trentino, da dove era nato, va apposta a Parigi per conoscere Maritain, muore improvvisamente giovanissimo a soli 33 anni e l'incontro non avverrà mai perché morirà proprio a Parigi. Vi mostro fra l'altro il Trionfo di San Tommaso, che è un'opera, un dittico, fa parte di un dittico che è conservato al Mart di Trento. Dall'altra parte c'è il Severini degli anni 10, il Severini del ritorno all'ordine più classico, più elegantemente meditato, in cui le fonti del primo umanesimo già sono assolutamente riscaldate da una visione consapevole di tutto il pieno Rinascimento, e il suo contributo
du cubisme au classicisme, che ha queste magnifiche illustrazioni che dimostrano questo straordinario e amplissimo ventaglio stilistico che Severini esercita, e un testo dove i concetti di integrità, proporzione, splendore o chiarezza, cioè i principi che vengono dalla filosofia atomista legati al concetto di bellezza, si esprimono in una teoria della forma artistica. In questi anni Maritain si occupa già di arte. Nel 1910 pubblica il suo primo articolo sul primo Rouault, su un Rouault audace, aggressivo, che si occupa di prostitute, di derelitti, di clown che interpretano e incarnano un'umanità di cui l'artista stenta a vedere un futuro, una possibilità di risurrezione e di riscatto. Una pittura che viene ampiamente accusata di sporcizia estetica e che invece Maritain salva e soprattutto individua nell'arte di Rouault i principi della nostra reazione di fronte all'opera. Scrive Maritain: suscita attorno a noi un mondo così presente e così ossessivo, tanto da farci sentire ed essere più profondamente davanti alla vita. Ecco i due concetti fondamentali che si rincorrono nel pensiero di Montini e di Maritain: libertà espressiva e responsabilità dell'artista. La Chiesa in questo momento ha posizioni molto differenti. Ricordo l'apertura nel 1913 di una rivista come Arte Cristiana, e ricordo nel 1914 la discussa conferenza di Celso Costantini tenuta a Trento, né passatisti né futuristi. La Chiesa è incapace in questo momento di avere un rapporto con la contemporaneità, rispetto invece alla proposta francese di quegli stessi anni. In quegli stessi anni Alexandre Sangria, che sarà anche un artista, sebbene in modo intimo, pubblica La décadence de l'art sacré, un testo pieno di intuizioni e di aperture per l'innovazione futura, e l'abbate Marot, Imagerie religieuse et art populaire, un titolo che è speculare a quello di Carrà, che esce appunto nello stesso 1914. E poi ovviamente Maurice Denis in questo momento ha un ruolo fondamentale nel pensiero di Montini giovane e nel pensiero di Maritain. Nel 1919, insieme a Georges de Valière, fonda gli Ateliers d'Art Sacré, e qui Denis, la posizione di Denis non è soltanto fondamentale per la visione di una nuova estetica, ma anche per come, per la sua posizione nei confronti dell'estetica dominante. Scrive Maurice Denis: l'oggetto religioso è un articolo da bazar spacciato per arte, e non si otterrà nulla fino a quando sacerdoti e cattolici non sono persuasi della sua insufficienza, della sua sconvenienza. Ricordatevi queste parole, perché ci sarà una loro eco nello scritto del 1964 di Montini. È proprio nel 1924 che, in una conferenza poi pubblicata sotto il titolo Alcune riflessioni sull'arte religiosa, Maritain riprende le idee di Maurice Denis e fa le prime affermazioni che già sono presenti nella prima edizione di Art et Scholastique. Non c'è uno stile riservato all'arte religiosa, non c'è una tecnica religiosa.
religiosa. Chiunque crede all'esistenza di una tecnica religiosa è sulla strada di Boiron, e qui si incrociano ancora una volta le strade di Montini e di Maritain. Nel 1929 Montini pubblica il suo primo articolo sulla rivista Studium ed è dedicato proprio all'arte della scuola di Boiron, fondata alla fine dell'Ottocento da Desiderius Lenz, che vedete qui, che produrrà chiese appositamente concepite e decorate. Citavamo prima a colazione la Monte Cassino, eccola qui, la cripta di Monte Cassino, o l'abbazia di Sant'Ildegarda. È inutile qui fare i riferimenti alle fonti. Montini fa un viaggio in Belgio e in Germania nel 28, conosce tutte queste realizzazioni e come Maritain nello stesso periodo è affascinato e in qualche modo attratto, eppure non convinto da questa soluzione. È sicuramente affascinato dalla cultura benedettina, entrambi lo sono, sia il filosofo che il sacerdote, tanto che Montini vuole entrare nell'ordine e il suo padre spirituale gli consiglia di non farlo e di proseguire la sua carriera secolare, e gli stessi Maritain diventano oblati benedettini in quegli anni. Qual è la riflessione di Montini nel suo articolo? È che il problema è cercare una regola valida sempre, valida per tutti. Pensare che un'opera d'arte, il suo mistero del principio creativo e l'istituzione di qualcosa di indicibile come un senso di bellezza che possa raccontare un oltre e un altrove, che possa collegarsi oltre le intenzioni stesse dell'artista a qualcosa che richiama la spiritualità e la trascendenza, non può essere garantito da regole a prioristiche, da numeri, da misurazioni, da tecniche, da principi sia stilistici sia compositivi. In quegli anni, fra l'altro, lo ricordo en passant perché su Severini abbiamo ascoltato una conferenza perfetta, ricordo che però il Sant'Uffizio condanna questa raffigurazione della Trinità a Sensal, risvegliando l'antico problema sollevato da Benedetto XIV, le sollecitudini nostre del 1745 sulla liceità di dare forma umana allo Spirito Santo, e Jean Journet, che qui vedete insieme a Maritain, a Macchi e a Montini a Castel Gandolfo, deve fare delle acrobazie di erudizione iconografica ricordando i tre angeli nell'incontro di Abramo raffigurati fin da Ravenna, fin nei mosaici di Ravenna, proprio per in qualche modo confermare le radici, le forti radici anche iconografiche di quella raffigurazione. In questi anni il dubbio di Montini sulla scuola di Boiron si esplicita anche in alcune note. Il 31, adesso mi fermerò su alcuni episodi, vedrete che è un anno cruciale. Queste sono note datate più o meno fra il 31 e il 32, in cui Montini si chiede quale influenza deve esercitare la tradizione sull'artista moderno, e fa un elenco, sono proprio un appunto a mano, ampiamente pubblicato: conoscenza storica, conoscenza tecnica, virgola, specifica, abilità nel disegno, dipendenza dai classici, lo mette fra virgolette, e poi si domanda: ma quali sono i classici? E fissati quali siano, tra essi, quali scegliere? Difficile. Ecco perché anche nell'uso dell'elemento deve intervenire un altro criterio. Quale? Gusto, critica, determinante. Ma poi la fine. Per noi ora, i primitivi, come ricercatori del sostanziale, capisce
che l'individuazione di quelle fonti, di quelle specifiche fonti, ha un senso in quel momento storico. Il 31 è un anno importante. A Padova viene realizzata un'esposizione internazionale d'arte cristiana moderna, 2000 opere, le più diverse fra loro. Qui vedete alcuni esempi molto diversi da Taillat a Casalini, eccetera, eccetera, ma soprattutto una sala era dedicata all'arte sacra futurista, perché sempre nel 31, il 23 giugno del 1931, esce il manifesto dell'arte sacra futurista, firmato da Marinetti e insieme a Marinetti anche Luigi Colombo in arte figlia, il quale è estremamente attento ai testi di Maritain, va appositamente a Parigi tra il 28 e il 29 per conoscerlo e quando torna in Italia si dedicherà esclusivamente a soggetti religiosi. Il 1931 è anche il primo numero della rivista Arte Sacra, sul quale Montini pubblica Arte Sacra Futura, un testo programmatico di cui vi cito solo una frase: l'arte sacra si affranca così da ogni vincolo puramente formale al passato, che più non la sovrasta, che più non le intima imitazioni manierate. L'arte sacra si trova davanti al problema di esprimere l'ineffabile. Qui entrano in dialogo con la lettura e gli scambi con Maritain i temi legati alla conoscenza. Quale conoscenza ci offre l'arte, quale conoscenza ci offre la bellezza, e al rapporto con la tradizione. Il bello in questi stessi anni è un motivo di approfondimento nelle riflessioni e nelle note private di Montini. Nei suoi appunti traduce in italiano un pensiero di Garrigou Lagrange: il bello nell'ordine creato è lo splendore di tutti i trascendentali riuniti, dell'essere, dell'uno, del vero e del bene, più particolarmente lo splendore di un'armoniosa unità di proporzione nell'integrità delle parti. Splendor, proporzio, integritas. Ma aggiunge di suo punto, questa è la citazione che lui traduce da Lagrange, aggiunge: donde forse si può trarre la soluzione di alcune questioni su problemi artistici. Però, quale vero si richiede perché un'opera d'arte sia bella? Il binomio verità-bellezza. Quale verità chiediamo alla bellezza? E qui Montini apre, è dentro tutta la problematica estetica legata all'arte sacra del XX secolo. Ancora tre suggestioni prima di passare al testo del 64. L'incontro di Maritain con William Condom. Siamo nel 1940, qui Condom lo vedete invece insieme a Paolo VI nel 71, sta donando Immacolata Quarta, che è uno dei quadri di Condom che abbiamo in collezione ai musei vaticani. E, sarà una bellissima amicizia, quella fra Condom e Maritain, e un'apertura quindi anche all'arte astratta. Nel 1961 Condom pubblica Nel mio disco d'oro, con tre prestigiose introduzioni, fra cui Thomas Merton, che è stato citato questa mattina, e Maritain, che scrive una bellissima premessa con questa magnifica ricordo: quando ho incontrato William Condom a Parigi, ciò che in lui mi ha colpito è stata la sua dolcezza e una strana profondità, un candore assolutamente disarmato, una vulnerabilità di fronte a tutti gli strali spirituali, e non solo quelli provenienti dalle angustie di questo mondo e dalla bellezza che ferisce i nostri sensi, ma anche gli strali delle sfere ultraterrene. E come con Rouault ho sentito quella sorprendente rassomiglianza fra l'uomo e l'opera, che è la caratteristica degli artisti di genuina grandezza.
In quegli stessi anni è negli Stati Uniti un altro personaggio fondamentale in questo contesto allargato, ovvero Padre Couturier, che qui vedete insieme a Marc Chagall, a Ida Chagall e a Marie Ten. Couturier riflette in quegli anni sull'arte astratta e scrive una magnifica lettera a Henri Faucillon, scrivendo e specificando il y a quelques années, je pensais d'une telle art, l'art abstrait, était sans aucune référence à une réalité extérieure, ne pouvait a fortiori être religieux, chrétienne. Tout art religieux impliquant une intime référence à un monde surnaturel. Mais je vois bien maintenant que tout cela est trop sommaire. La valeur religieuse essentielle d'une œuvre lui est plus intime que son sujet même. La valeur humaine, la valeur spirituelle, les virtualités religieuses de l'art abstrait sont valables. Bon. Vado proprio soltanto per citare una delle opere fondamentali che Padre Couturier ha supervisionato, la magnifica chiesa di Plateau d'Assy, per ricordare il numero di artisti che lui è riuscito a raccogliere, da Léger e il mosaico che intravedevate nelle colonne della facciata, questo è l'interno con la grande decorazione absidale di Lursat, Matisse che fa l'altare di sinistra con il San Domenico, Bonnard che fa quello di destra, Georges Rouault che fa tutte le vetrate, Marc Chagall che decora il corpo del battistero, sia le ceramiche dipinte sia le vetrate del battistero, Germain Richer, unica donna, come sapete questo crocifisso viene poi dismesso, messo nella cripta e il vescovo si piega alle accuse irriverenza e di aggressione alla figura del Cristo, spostandolo nella cripta della chiesa. E un piccolo passaggio su Marc Chagall lo vorrei fare ricordando questo volume del 1948 che Chagall realizza insieme a Raissa Marie Ten. I testi sono di Raissa, Chagall ou l'orage enchanté, questa copertina la intravedete, ma ve la faccio vedere nella sua interezza. Ecco la copertina che immagina Chagall, dentro ci sono poesie e scritti di Raissa. È uno Chagall molto più essenziale, lo vedete molto più cupo dal punto di vista della decorazione, quando esegue delle vere e proprie illustrazioni o dei disegni. Questo è il ritratto di Raissa, questo volume è all'origine di tutto il lavoro sulla Bibbia che farà di lì a poco Chagall e le grandi decorazioni che poi sono oggi conservate nel suo museo di Nizza. Qui vi faccio vedere le opere che Chagall ha donato, alcune delle opere che sono presenti in collezione che Chagall ha donato a Paolo VI. Qual è in questi anni la posizione della Chiesa di Roma? La posizione della Chiesa di Roma è una posizione che non sa fare i conti con le proposte della contemporaneità. 1912 il discorso di Pio XI all'apertura della Pinacoteca Vaticana, lo sfigurano fino alla caricatura e bene spesso vi fino alla vera e propria profanazione. Questo è il suo commento sull'arte contemporanea. La messa all'indice di Manzù e di Guttuso, qui stiamo nel 1941, e vorrei qui ricordare, perché domani se ne parlerà, di Don Giuseppe De Luca, tra le poche voci che si sollevano a difesa di questi artisti dopo la loro messa all'indice. Noi non vogliamo difendere Manzù né Guttuso, quel che ci angoscia e ci rivolta è ben altro fatto, la ostilità, la diffidenza, la volontaria inintelligenza del nostro clero verso ogni tentativo d'arte a noi reca un dolore come se fossimo orfani. Non devo ricordare chi era Don Giuseppe De Luca, grande tra l'altro fondatore della casa editrice di edizioni di storia e letteratura. E poi l'enciclica Mediator Dei, dove Pio XII, diciamo timidamente, non si devono disprezzare e ripudiare genericamente per partito preso le forme ed immagini recenti,
più adatte ai nuovi materiali, ma insomma in buona sostanza è timido la posizione di Pio XII, come si ricordava anche nel dibattito di oggi. Il 1964 è uno dei momenti di svolta. Il nostro ministero, il famoso discorso in Cappella Sistina al mondo dell'arte il 7 maggio, il nostro ministero diventerebbe balbuziente e incerto e avrebbe bisogno di fare uno sforzo di far coincidere il sacerdozio con l'arte. Per quello vi rimarcavo prima la frase che vi citavo, questo fatto che l'arte è parte integrale dello stesso sacerdozio. Il discorso è un discorso programmatico, imitazione, stile, tradizione, maestri, vi abbiamo peggio trattati, siamo ricorsi ai surrogati, all'oleografia, all'opera d'arte di pochi pregi e di poca spesa, e siamo andati anche noi per i vicoli traversi, dove l'arte e la bellezza e ciò che è peggio per noi, il culto di Dio, sono stati male serviti. Sono le parole di un pontefice seduto sul soglio di Pietro che a 9 mesi dalla sua elezione ritiene fondamentale raccogliere il mondo dell'arte in Cappella Sistina, nel luogo simbolo dell'arte della cristianità, chiedendo a loro perdono, scusate, torniamo amici. Usa questa magnifica parola che poi ribadisce nel 1973. Il Papa dice: voi mi guardate qui, sarete emozionati, ma voglio che noi ci sentiamo amici alla pari, non è più un capo di Stato che si rivolge a dei sudditi. Ovviamente il Concilio Vaticano II, sappiamo tutti i limiti dei testi, dalla Sacrosanctum Concilium a Gaudium et Spes, Lumen Gentium, i limiti in cui si muovono le carte conciliari. Sicuro è che le posizioni sono però ben differenti da quelle del codice di diritto canonico del 1917, che erano ancora attivi, il canone 1164, il canone 1279, ma soprattutto il concilio pone la questione culturale non più come un ornamento dell'uomo privilegiato, ma un connotato omnicomprensivo dell'uomo nella sua concreta situazione storica di appartenenza a una determinata civiltà. È proprio della persona umana il non poter raggiungere un livello di vita veramente e pienamente umano se non mediante la cultura. La cultura occupa un posto centrale per definire la stessa concetto di civiltà e delle diverse civiltà e delle diverse culture. Questa posizione è ribadita da Paolo VI nel 1975 nelle Evangelii Nuntiandi, la rottura tra Vangelo e cultura, questo mondo nel quale noi viviamo ha bisogno di bellezza per non cadere nella disperazione. La bellezza, come la verità, mette la gioia nel cuore degli uomini ed è frutto prezioso che resiste al logorio del tempo, che unisce le generazioni e le fa comunicare nella ammirazione. Anche questo è un dato fondamentale. Tradizione non è qualcosa che noi dobbiamo custodire immobile, ma la dobbiamo riattivare anche attraverso l'ammirazione nel nostro presente, grazie al nostro presente, attraverso il nostro tempo. È questa la missione che poi sarà all'inaugurazione della collezione 9 anni dopo, nel 1973. Vi mostro proprio la stretta di mano con Guttuso e con Manzù, i due artisti messi all'indice nel 1973.
40, il grande concerto nella aula Paolo VI, dove ancora non c'era la resurrezione di Fazzini, lo vedete, c'è un arazzo con la resurrezione che viene dalle collezioni dei Musei Vaticani sul fondo. Fazzini la realizzerà ormai nel 77. Marie Ten non poté vedere l'apertura della collezione che abbiamo festeggiato i 50 anni l'anno scorso, era il 23 giugno, lui muore nel mese di aprile, ma sappiamo la presenza, la collaborazione, l'azione di Marie Ten in tutto il periodo di preparazione del concilio e questo fitto scambio nella riflessione di una anche antropologia dell'arte sacra, dove l'uomo è al centro con le sue fragilità, i suoi dubbi, le sue opacità, e questo affrontare la grana spessa della realtà del singolo, dell'individuo, è una delle linee guida di tutta la missione pastorale di Montini, sicuramente del suo pontificato, e di come ha individuato il ruolo dell'arte nel nostro tempo e nel tempo futuro. Grazie. Grazie mille per questa presentazione anche richissima. Donc, je repasse au français. Donc, pour ce parcours extrêmement riche et de longue durée, puisque vous avez commencé votre exposé avec, vous avez évoqué un certain nombre d'articles, d'interventions des années 1910. On en arrive jusqu'en 1973 avec la fondation, vous la rappeliez à l'instant, de ces collections d'art contemporain au Musée du Vatican, dont vous êtes la responsable. Et ce qui m'a semblé frappant au cœur de votre exposé, c'est justement ce que vous nous annonciez d'emblée, c'est-à-dire cette confrontation, cet amour passionné, fracturé entre l'Église catholique et l'art contemporain, avec des moments extrêmement difficiles. Vous les avez rappelés, des condamnations du Saint-Office, mais aussi une évolution extrêmement marquée, en fait, dans cette période cruciale du XXe siècle. Alors, ce parcours extrêmement riche, il est marqué par des individus avec des créations, des églises, des œuvres, mais aussi des pratiques culturelles collectives. Ça passe par les expositions, l'investissement par l'Église catholique de ces expositions, qu'elles soient nationales ou internationales, des expositions qu'elle met en œuvre elle-même, ou dans lesquelles elle s'investit pleinement, comme cette exposition à Padoue. Exposition d'art sacré, et puis on va encore plus loin avec la mise en place de collections permanentes, vous le rappeliez, au Musée du Vatican, lieu central s'il en est pour donner une impulsion à l'échelle universelle pour l'Église catholique. Et puis en vous écoutant, on voit aussi cette attraction exercée par Marie Ten sur un certain nombre de personnalités d'artistes qui parcourent en fait ce cœur du XXe siècle. Et cela m'offre une transition vers la dernière intervention. Je présente maintenant Monsieur Frédéric Ripoll, qui est acteur culturel du monde photographique, installé à Toulouse. Il a mis en place en 1993, pour le 20e anniversaire de la mort de Marie Ten, une première exposition, une exposition intitulée « Les grandes amitiés de Jacques et Raïssa Marie Ten ». C'est en fait le noyau à partir duquel a été pensée l'exposition qui vous est offerte. Vous pouvez voir en fait dans le petit couloir adjacent, donc on pourra aller voir aussi ensemble, et donc je lui passe tout de suite la parole pour une présentation là aussi de 25-30 minutes. On va échanger on va changer de place pour que vous puissiez vous installer tranquillement, une intervention donc autour de Marie Ten et de la photographie. Et je change ici. Hein. Est-ce que vous en sortez ? Oui, c'est bon, je suis bas, c'est bon. Ça va ? Oui. Ouais. Bonjour à tous.
Voilà, il va sans dire que je suis très impressionné. Très impressionné parce que c'est la première fois de ma vie que je me retrouve face à des docteurs en tout genre, bardés de diplômes. Le seul diplôme dont je puisse me prévaloir, c'est un diplôme de l'école hôtelière, figurez-vous. Et j'ai l'impression de tomber comme un cheveu sur la soupe. Alors, qu'est-ce que vient faire un propos sur la photographie dans un colloque sur Jacques Maritain ? Inutile de vous dire que Jacques Maritain n'a jamais parlé de photographie. Ou alors, s'il en a parlé, c'est pour envoyer des petites piques pour dire « bon, c'est quand même pas de la peinture ». Et pour cause, Maritain est mort quelques années avant la naissance de la culture photographique. Je crois que là, tout de suite, ça donne la mesure de la chose. La culture photographique est née entre les années 75 et 80, non seulement en France, mais aussi aux États-Unis, par la création de grandes institutions photographiques. On pense aux rencontres d'Arles, la galerie du Château d'Eau, à laquelle j'ai collaboré pendant 10 ans. C'est aussi dans les années 70. L'International Center of Photography à New York, c'est aussi cette même année. Et les grandes revues de photographie sont nées aussi à la même époque. Il y avait donc, autour des années 70-80, une prise de conscience de soi, de la photographie, exactement comme le décrit Maritain pour la poésie. Alors, je vais vous raconter une histoire qui est dans le prolongement des grandes amitiés et des aventures de la grâce. J'ai été converti à la pensée de Maritain en 77. Figurez-vous que j'avais subi un grave accident de moto, j'étais immobilisé pendant 1 an, et dans un coin de la bibliothèque de mon père, il y avait un volume, bien caché d'ailleurs, je dois dire, le volume 5 des œuvres complètes. Et dans ce volume, alors que j'avais aucune formation philosophique, j'étais plus attentif au songe de Descartes et à Frontières de la poésie. Et j'étais loin de m'imaginer que des dizaines d'années après, ces deux textes ont été les piliers d'une réflexion autour de la photographie, qu'elle soit créative ou sous un aspect ontologique. Et alors, plus surprenant, c'est que le songe de Descartes m'a donné une espèce d'immunité à vie, une sorte de vaccin définitif contre la pensée cartésienne. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, ça m'est tombé dessus. Et donc, quelques années plus tard, j'entre en photographie comme on entre en religion, hein, et je développe une carrière culturelle au sein des affaires culturelles de la ville de Toulouse. Et en pleine progression de ma carrière, je suis converti à l'Église du Christ en 88. Et le photographe Jean Dieuzède, qui était directeur de la galerie du Château d'Eau à l'époque, galerie du Château d'Eau, c'est un petit nom pour une institution qui avait une renommée internationale quand même. Qui est un grand chrétien, imaginez Dieuzède, quel nom prédestiné quand même. Hein. Ça ne s'invente pas, ça. Il est bouleversé par ma conversion. Donc il m'appelle à ses côtés. Et donc en 93, donc je travaille à ses côtés, à la responsabilité des expositions itinérantes, qui voyageaient dans le monde entier, c'était une collection prestigieuse. Et donc il me dit, Frédéric, on approche du 20e anniversaire de la mort de Maritain, qu'il avait rencontré, puisqu'il était aussi photographe, et il faisait des tirages de Raïssa pour le compte de Jacques Maritain, qui n'était jamais content d'ailleurs. « Ah, c'est trop dur, il fallait toujours radoucir. » Et donc... Il me propose donc de créer cette exposition. C'est une grande aventure. Je ne vais pas rentrer en détail. On va à Kolbsheim avec René Mougel. Il y avait derrière aussi en soutien Bernard Hubert, Yves Flouka, donc beaucoup de monde, hein, prestigieux. Et il faut dire que Jean Dieuzède n'était pas à sa première provocation. J'ai raté un truc ? Non. Donc Jean Dieuzède n'était pas à sa première provocation catholique dans cette institution publique de renommée quand même internationale. Il avait, en 89, conçu une exposition intitulée « Toi, photographie, qui es-tu ?» qui reprend un peu le titre de Claudel, hein, « Toi, qui es-tu ?» dans le même principe, et qui était une interrogation au Suaire de Turin, qui, tout le monde le sait, est un négatif photographique. Alors, très vite, donc, des institutions étrangères se manifestent, donc Rome, bien sûr, en premier lieu, hein, en tout bien, tout honneur, Fribourg. Mais alors le plus surprenant, c'est que très vite, je suis sollicité par une institution hongroise, Jacques Maritain,
Et cette exposition, qui était quand même lourde à transporter, c'est pas ce que vous avez vu là, hein, c'était quelque chose avec des cadres sous verre, ça pesait quelques centaines de kilos. Et donc, elle circule dans 6 villes universitaires de Hongrie. 6 villes universitaires de Hongrie. Imaginez la Sorbonne ou la Fac du Mirail à Toulouse déroulant le tapis rouge à Jacques Maritain. Voilà. Hein. Donc, Paris ne l'accueille qu'en 1995, et c'est à cette occasion que le frère Jean-Gabriel, ici présent, qui est devenu un très grand ami depuis 30 ans, hein, qu'on va d'aventure en aventure, donc prend qu'il était directeur des éditions du Carmel à l'époque, prend l'initiative de d'éditer ce catalogue, hein, juste en revenant de Paris, que beaucoup connaissent, hein, le catalogue de l'exposition qui reprend intégralement le contenu de l'exposition. Et 30 ans plus tard, on est au grand jubilé, double jubilé, jubilé Saint Thomas d'Aquin, jubilé 50e anniversaire de la mort à Toulouse de Maritain. Je vis au milieu d'artistes, d'étudiants en philo. Avec ma fille, on fréquente les dominicaines de l'agneau, hein, les petites sœurs de l'agneau à Toulouse, tout ça dans un mouchoir de poche, hein, et l'Institut catholique à côté, pardon. Et donc, je m'aperçois, et j'avais constaté déjà depuis longtemps, que aucun étudiant en philo, même pas de la catho, n'a lu une ligne de Jacques Maritain. Bon. Donc, avec le frère Jean-Gabriel, on décide donc de monter cette nouvelle opération et autour de l'exposition qui est inaugurée à Meudon. Hein, donc en juin, qui avait peut-être une crise de jaunisse ce jour-là, je ne sais pas. et de retour à tout, donc c'est pour un grand colloque à Meudon, il y avait Michel Fourcade, il y avait l'arrière-petite-fille de Léon Blois. Quand j'ai vu cette princesse russe, je me suis fait une courbette parce que j'ai l'impression de découvrir quelqu'un d'exceptionnel. Et de retour à Toulouse, on propose l'exposition à tout le diocèse. Tout le diocèse de Toulouse. Et alors, à ma grande surprise, le premier à réagir, dès réception du mail, le jour même, le soir même, c'est un Ukrainien. C'est le père Bogdan Velianik, curé de la basilique Saint-Cernin. Pas des moindres. Et fin juin, donc, je rencontre Monseigneur de Kerimel, archevêque de Toulouse, chez les petites sœurs de l'agneau d'ailleurs. Je lui offre le dernier exemplaire du catalogue que j'avais chez moi, on le dédicace, et il me fait une réflexion surprenante qui me poursuit encore. Il me dit « Plus que jamais, l'Église de France a besoin d'intellectuels catholiques. » Plus que jamais, l'Église de France a besoin d'intellectuels catholiques. Alors je me dis quoi, il y a un grand vide, qu'est-ce qui se passe? Et peu de temps après, alors qu'à chaque fois je visite l'exposition, parce que c'est une exposition difficile, il y a beaucoup de textes, donc je me dis comment réagissent les gens. Donc, quand je vois quelqu'un d'un peu intéressé, je l'interroge, je l'aborde. Et vous voyez le monsieur qui est là, sur la droite, sur cette photographie à Saint-Cernin, il me dit, alors évidemment, il n'a jamais entendu parler de Maritain, donc visiblement un touriste de passage, c'est au mois de juillet, et il me dit, écoutez, non, j'ai pas entendu parler de ce monsieur, et je ne me doutais même pas qu'il puisse exister des intellectuels catholiques. Je ne me doutais même pas qu'il puisse exister des intellectuels catholiques. Et il est tellement content de la découverte qu'il me dit « Attendez, venez !» et il me fait un selfie. Moi, un selfie, vous vous rendez compte? Donc, je suis sur un selfie avec ce monsieur. Et donc, à l'automne, exactement comme 30 ans auparavant, les premiers à réagir, c'est pas la paroisse de Toulouse, c'est une association Maritain en Transylvanie. Vous savez où est la Transylvanie? Vous voyez, dans Tintin, la Bordurie, eh ben, juste à côté, vous avez la Transylvanie, donc c'est loin, loin. Et c'est donc ce petit groupe de gens, même pas dans une paroisse catholique romaine, dans une paroisse gréco-catholique, qui fait venir l'expo. Et ce sont deux jeunes filles absolument incroyables, dont l'une n'était, je crois, même pas baptisée, je ne sais pas si c'est Léa. Donc Flavie Bienfait, deux étudiantes agrégatives en philo, pas de la catho, du Mirail, de la fac du Mirail, font 5000 km en voiture
voiture prêtée par Claire Bressolette, que tout le monde connaît, je pense, pour aller porter et, aider et installer cette exposition en Ablage, en Transylvanie. Voilà. Vous voyez les aventures de la grâce ? Et donc, dès ce retour à Toulouse, c'est un prêtre, même pas français, un prêtre roumain, qui accueille l'exposition à l'église Saint-Exupère. On est encore dans un évêque toulousain, donc ça va. Et enfin, grâce aux dynamiques, enfin, je dirais, au bout du compte, grâce aux dynamiques père Damien Verlet, l'aumônier des étudiants de Toulouse, dès le mois de janvier, on l'installe à Saint-Pierre-des-Chartreux, donc à l'aumônerie étudiante. Et elle est restée 3 mois. Et je vais vous faire une confidence. Comme je suis passionné pour diffuser la pensée et les écrits de Maritain, je laisse un petit papier en disant « Vous m'envoyez un mail et je vous envoie toutes mes archives de ma base numérique de Maritain. » Eh bien, au bout de 3 mois, aucun étudiant ne m'a fait une demande. Il y en a un ici, c'est Laurent. Il est là, Laurent ? Et donc, je me dis « Qu'est-ce qui se passe ?» Je ne peux pas m'empêcher de m'interroger. Ah oui, rétrospective, je reviens en arrière. Lors de l'exposition toulousaine, la première, j'appelle France Culture. Et j'appelle un journaliste spécialisé dans la culture catholique à France Culture. Vous savez, France Culture, l'esprit d'ouverture. Et vous savez ce qu'il me répond ? Donc je lui demande de diffuser un peu cette information. Il me répond, mais Maritain est un auteur mineur. Je ne dirai pas son nom, je l'ai oublié d'ailleurs. Hein, et on va, voilà. Alors je ne peux pas m'empêcher de m'interroger, qu'est-ce qui se passe entre les catholiques de France et soit la personne de Maritain, soit la pensée de Maritain. Pour moi, c'est un mystère absolu. Alors, ne boudons pas, hein, c'est quand même Saint-Sernin et Saint-Exupère, les deux grands saints toulousains qui font un accueil digne à ce grand philosophe. Mais si vous voulez bien, revenons à la photographie. Et donc, dans les années 80-90, hein, cette période où j'étais très actif, il y avait une intense activité culturelle autour de la photographie. C'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui parce que ça a disparu. J'ai eu le privilège d'assister à la naissance, et après à la mort, dont je vais parler là maintenant, à la mort de la culture photographique. C'est l'activité culturelle la plus courte de l'histoire des activités humaines. Donc, on avait des débats très enflammés autour de la photographie, donc c'est la prise de conscience, c'est-à-dire des interrogations sur est-ce que c'est un art, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est. Et donc, il y avait deux choses. Le château d'eau, donc la galerie château d'eau était notre temple, hein, Roland Barthes était notre pape, et la chambre claire était notre Bible. Et ça tournait un peu autour de ça, et puis quelques autres quand même. Et donc, c'était une prise de conscience, comme je l'ai dit, et il y avait une relative liberté de ton et même une relative ouverture d'esprit, à telle enseigne que le premier numéro des cahiers de la photographie que vous avez à l'écran ouvre sa page sur le visage du sanctuaire. Vous imaginez ? Alors que la photographie est une chasse gardée de la pensée qui flotte entre Marx et Hegel, dominée par Sartre, et on va dire absolument pas spiritualiste ni métaphysicienne. Mais le monde photographique intègre le suaire de Turin comme vraiment faisant partie de la culture photographique à part entière. Alors, dès l'origine de la photographie, une seule question s'est posée, et ça a duré longtemps, c'est est-ce que c'est un art ? Hein ? Parce qu'on ne pensait pas à ontologie. D'ailleurs, on ne le pense toujours pas, ontologie, hein, je veux dire, honnêtement. Et donc, je me posais aussi la question, et en fait, bêtement, comme tout le monde, je me disais, est-ce que c'est un art, etc. Et c'est la lecture, là, pour le coup, des frontières de la poésie qui me met en selle, hein, qui m'oriente sur comment peut-on imaginer un acte de création photographique qui n'est autre qu'une intuition poétique de la réalité. Et là, Maritain me donne tout ce qu'il faut pour développer une telle théorie. Et j'étais en voyage avec Jean Duzède en Chine, invité par le gouvernement pour présenter les collections,
Et le monsieur que vous voyez à gauche, c'est Juan Yijong, c'est ce qu'on l'appelle le quartier Bresson chinois. Et on a, par l'intermédiaire de sa femme en anglais, qui traduit en chinois, des conversations très très intéressantes sur... Il dit, mais qu'est-ce que c'est que la photographie, tout ça? Je dis, ben, c'est plus proche de la musique que de la peinture. Et il me dit, ah, c'est fantastique, tu peux m'écrire là-dessus. Et donc là, il me dit, et donc là, démarre vraiment l'aventure théorique, mais qui prend la chose à l'envers, puisqu'en fait, il aurait fallu régler l'ontologie avant de s'interroger sur ces frontières-là de la poésie. Et donc, il m'ouvre les pages d'un magazine qui l'inaugurait à cette occasion, Photographers International, avec un article qui, basé sur la pensée de Maritain, a ses premiers écrits publiés en chinois. Donc, on est finalement dans une logique maritainienne qui avait écrit l'intuition créatrice en anglais aux États-Unis. Là, l'équivalent de l'intuition créatrice en photographie, ce sera en Chine. Et voilà. Donc ça, c'est le premier numéro, le quatrième article. Et alors, figurez-vous que l'autre question, qu'est-ce que la photographie, me taraudait quand même. Et c'est là que Maritain intervient. Et là, il met le paquet, enfin, si je puis dire, parce que c'était quand même assez providentiel. Il s'avère qu'en 92, pour la première fête de la photographie, qui n'a pas fait recette d'ailleurs, je crois qu'elle n'existe plus. Non, plus personne n'en entend parler. On monte au château d'eau une caméra obscura géante. Alors évidemment, c'est une maquette, ça. Hein. Et le petit bonhomme que vous avez dans la chambre noire, c'était moi. Le public pouvait entrer, et donc on regardait ce qui se passe dans une caméra obscura. Et donc, c'est ça. Et donc, Lamaritain me tend une perche, parce qu'il me dit, il dit dans cette leçon sur l'être, en fait, toute question posée par une science, quelle qu'elle soit, présente un double aspect, l'aspect mystère et l'aspect problème. Et il y a un mystère du côté de la chose, de l'objet et de sa réalité extramentale, parce que tout là, dans toute cette histoire qui va suivre, c'est ce mot extramental, qui n'est pas un bon fromage de Savoie. Hein. C'est extramental, c'est vraiment hors de l'esprit. Et l'aspect problème, dit-il, est du côté de nos formules. Voilà. Et donc, le point de départ de toute réflexion d'une ontologie de la photographie doit pénétrer dans une chambre noire. Alors, je sais que c'est du lourd, hein, ce dont je vous parle, mais il s'avère que cette expérience dans une caméra obscura géante, je me suis aperçu tout à coup que le monde pouvait entrer par un petit trou, ce qui est quand même quelque chose, que je réaliserai bien plus tard que l'âme est faite pour recevoir toute chose, formule d'Aristote, je crois, et que finalement, il y avait là vraiment des questions très mystérieuses à se poser, que personne ne s'était posé. Donc, le problème, c'est que la théorie photographique ou la doxa, je dirais, de l'époque, se résume à ceci, je cite, et c'était dans Jean-Claude Lemagny dans L'ombre et le temps, en photographie, la critique a fait son travail en établissant solidement, chaque mot a du sens là, ce point de départ que la photographie ne transmet pas de sens. Une photo est muette, elle enregistre les ombres et les lumières, pas le sens. Et voilà un immense et salutaire débarras. Je crois que rien que dans cette formule, on a tout l'esprit de la pensée moderne qui nous domine depuis 400 ans, depuis Descartes. Une photo n'a pas de sens car elle ne fait que nous transmettre l'absence de sens du réel. Une photographie ne contient donc rien d'autre qu'une gamme de gris ou une gamme de couleurs. Il est évident que c'est absurde, hein, plus c'est gros et plus ça passe, mais voilà, c'était la doxa et ça l'est toujours. Je sens que le silence est pesant là. Hein, c'est, voilà. Alors on est dans un idéalisme qui flirte avec le solipsisme, avec un délicieux mélange de nihilisme et de matérialisme. Hein, on met ça dans un shaker et puis hop. Alors,
Je préparais une conférence pour la Société Toulousaine de Philosophie, et puis j'avais cette diapo, et ma fille Maria, elle se présente, me dit « Pourquoi, papa, je suis sur la photo ?» Et je lui dis « Parce que Sartre dit que si je ne te mets pas sur la photo, bah, tu n'y es pas. » Elle me dit « Mais papa, c'est idiot. J'y suis, mais j'y suis pas. » Donc, il y a quelque chose qui colle pas. Et donc, je lui dis « Ben oui, Maria, mais Allier, tu y es d'une certaine façon. » Alors, vous voyez, mesdames, messieurs, ce « d'une certaine façon », c'est une formule latine en « quodam modo » qui continue à me poursuivre. C'est-à-dire qu'il y a quand même un flou thomiste sur ce « quodam modo », c'est-à-dire cette manière d'être des choses qui est, on va dire, le mot qui fâche et qui le gros mot, en fait, qui est d'ordre intentionnel. Hein, puisque la clé de la chambre noire, elle est dans l'intentionnalité. Et d'ailleurs, on a beaucoup parlé du père Garrigou-Lagrange aujourd'hui, hein, depuis ce matin, j'ai l'impression qu'il revient, il revient même ici, là, et il a écrit dans les années 20 un texte qui s'appelle Quodam modo, avec une formule latine que je n'ai pas compris grand-chose, et il dit effectivement, d'une certaine façon, voilà, c'est la formule thomiste du flou artistique sur l'épistémologie, finalement. Alors, Maritain a raison de dire qu'il faut toujours revenir à Descartes. Je crois que j'ai besoin de boire. Oups. Maritain a raison de dire qu'il faut toujours revenir à Descartes, parce que vous voyez, à Toulouse, j'ai un ami prof à la Cato que beaucoup connaissent, c'est Philippe Soual, qui est spécialiste de Hegel, mais qui connaît bien Aristote aussi. Hein. Il vient, il prend le thé chez moi, et puis... Il dit, mais où est le problème? Ben, je lui dis, mais oui, c'est ça, c'est extramental. Mais il me dit, mais je ne comprends pas le problème. Et donc, le problème, mesdames, messieurs, il est là. Il est là parce que quand la formule que je viens de vous donner, hein, la formule doxocratique, hein, on va dire, c'est un gros mot ça, hein, c'est-à-dire une doxa qui s'impose presque comme une dictature, hein. Elle est purement cartésienne et le problème c'est que 400 ans après Bernard Hubert me dit mais personne ne défend Descartes aujourd'hui, mais t'es fou ou quoi? 400 ans après le cartésianisme nous a rendu aveugles, on ne comprend pas. Vous voyez, même un prof de philo qui a de la bouteille me dit je comprends pas. Voilà. Alors c'est simple, hein, la pensée moderne s'arrête ici. Vous voyez, ce charmant garçon qui est américain, d'ailleurs, qui faisait une thèse en France, ça s'arrête ici, voilà. La critique photographique, mesdames et messieurs, s'arrête ici. Et tout le reste, c'est-à-dire ce qui est d'ordre extramental, est dans le flou. Alors, la critique dit oui, mais oui, c'est un effet de réel. Effet de réel. Alors, c'est sûr que... Où est le temps? Ah oui, quand même. Ah oui, je suis en retard, là. Désolé. Bon, donc, il faut accélérer. Donc, même si Baudrillard... Comment ? Même si Baudrillard, hein, que personne n'écoute, dit que c'est quand même l'objet qui fait tout le travail, personne ne l'écoute. Et il parle, Baudrillard, de la complexité métaphysique de l'appareil technique. Hein. Et donc, on continue à entretenir le doute cartésien, d'ailleurs. Et même si certains disent, alors ça, il faudrait 2 heures hein, pour que je vous explique tout ça, donc là on peut pas, on n'a même pas 3 minutes. Donc, même si certains disent, ben, il n'y a plus de chambre noire, hein, donc là on est dans le lourd, donc il n'y a plus d'ontologie, puisqu'il n'y a plus de chambre noire. Alors c'est facile, ça évacue. Résultat des courses, exit l'ontologie, et même si certains disent, attention, la Clément-Chéroux, par exemple, la technique évolue, donc il faut se pencher sur l'ontologie. Personne n'écoute. Et il y a certains qui disent, comme Philippe Dubois, l'ontologisation de la photographie est dangereuse. Dangereuse. Voyez. Alors, les conséquences de cette bêtise sont considérables. Parce qu'on se trouve, je passe là-dessus, on se trouve face à un problème qui est complètement nouveau, méconnu, qui est une forme de nominalisme 2.0, qui ne ressemble plus au nominalisme de Occam, hein, du Moyen-Âge, ni à celui de Aide-le-Roi, qui disait « un au-delà de la pensée est impensable » et qu'il réduisait tout être à l'image. On n'est qu'un dans quelque chose de terrible, terrible, qui a raison de 2 choses, de la métaphysique et de la poésie.
ce phénomène-là, hein, de rouleau, ce que j'appelle le rouleau compresseur nominaliste, réduit en cendres la métaphysique et la poésie. Mais la plus grande victime, en mon sens, de cette folie, c'est quand même la photographie. J'en arrive à la mort de la culture photographique, puisque en 2021, le ministère de la Culture déclasse le département de la photographie dans le pays qui l'a mise au monde au statut de simple bureau. Et à l'époque, seul le journal Libération s'en émeut. Alors, autre coup de guillotine, c'est quelques années avant, une décision du ministère de la Culture qui décide « nous serons désormais tous photographes » et permet dans les musées à pouvoir photographier toutes les œuvres. Et le photographe Martin Parr fait un superbe travail photographique qu'il intitule « Small World » où, un peu avec la même ironie que Baudelaire en 1859, qui disait que on se précipitait sur la photographie comme un dieu vengeur et sur une triviale image. Hein. Baudelaire avait des mots dans le salon de 1859 terribles. Et on s'aperçoit que le portrait carte de Disdéry, daté de la même année d'ailleurs, a le même format qu'un smartphone. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on met dans le veston, très pratique, puis qu'on sort comme ça, comme l'image facile à montrer. Voilà, il faut accélérer. Alors, que dire? Est-ce qu'il faut désormais, je passe là-dessus aussi, ça va trop vite, est-ce qu'il faut... Alors, le résultat quand même de cette histoire, c'est qu'on est immergé dans un flot d'images qu'on ne contrôle plus. Hein, et le résultat de cette histoire, comme Mickey dans Fantasia, ben, le problème c'est que Mickey, il s'accroche à un livre, il y a une pensée. Or, dans ce phénomène-là, il n'y a plus de pensée. On est complètement noyé. Hein. Et ce phénomène-là est analysé avec beaucoup d'intelligence par Bruno Patino dans son récent livre Submersion, puisqu'il parle vraiment de perte du contact de la réalité. Alors, il y a des résistances, il y a des lanceurs d'alerte. Baudrillard, je viens de citer, il dit « entrer en résistance ». Virilio, qui tape des colères terribles dans ses conférences, il parle de mégaloscopie et il dit il faut une écologie des images. Et puis un Américain, Crawford, qui dit c'est simple, c'est les lumières qui nous ont mis dans cette pagaille, ils nous ont plongé dans les ténèbres. Olivier Babot aussi, qui dit on nous a confisqué notre attention. Et enfin, Eugénie Bastier, qui parle de la dictature des ressentis, qui est le symptôme pathologique de la dictature de l'image. Alors voilà, est-ce qu'on va désespérer à la fois de la culture, de la culture catholique en France, comme il y aurait lieu de désespérer de la culture photographique? Voyez-vous, je ne crois pas, parce que le petit oiseau de la photo, on ne peut désormais plus le retenir. Alors le problème, c'est que ça fait beaucoup de dégâts. À Toulouse, quand il y a des nuées, des tourneaux qui passent, ça fait beaucoup de fientes sur les carrosseries, et ce n'est pas très agréable. Mais j'en arrive à mon point final, qui est cette magnifique remarque d'une théoricienne de l'art de la même année qui écrit un texte, 1857, la même année où Baudelaire massacrait la photographie. Elle parle d'elle dans un article superbe en tant que new agent. Alors, un nouvel agent, c'est une formule délicieusement ontologique. Alors, qu'est-ce que cet agent? Est-ce que c'est un agent double, un agent secret? Est-ce que c'est un agent provocateur? Est-ce que c'est un agent naturel, surnaturel? Donc, tout ça, ce sont des questions, voyez, mesdames, messieurs, qui sont éminemment philosophiques et même de nature thomiste. Hein. On est dans le réalisme thomiste à part entière. Alors, pour finir, avant que je me fasse gronder, il s'avère que j'ai découvert un fonds photographique au muséum, au bout de cette carrière, d'un des cofondateurs du Muséum d'histoire naturelle, s'appelait Eugène Truta. Et je me servirai de cette image comme point final, c'est-à-dire qui pourrait être légendée par Hamlet, c'est-à-dire qu'il y a plus de choses dans le ciel et sur la terre que dans toute cette philosophie. Que finalement... Ah oui, je suis passé à tout à l'heure. Voilà. Et que voyez-vous, la perte du réel a entraîné ce que Virilio appelle une crise de la foi perceptive.
et le train peut-être a déraillé, hein, surtout en Occident d'ailleurs. Mais pour le remettre sur les rails, je pense qu'avec Roland Barthes, ce que nous devons chercher, c'est une réconciliation du réel et des hommes. Et alors seulement on retrouvera, je crois, naturellement le sens de la culture. Je vous remercie. Un très grand merci. Donc cette présentation, ce témoignage personnel aussi sur votre rencontre avec les écrits de Jacques Maritain, leur importance dans votre parcours personnel et la façon dont ceux-ci vous ont aidé à vous ont stimulé en tout cas à aborder la question de la photographie comme art. Donc un très grand merci pour tout ça. J'étais également personnellement intéressée par ce que vous avez pu nous dire sur l'exposition Maritain, la première, et peut-être on aura l'occasion dans la discussion de revenir aussi sur la nouvelle exposition. Et j'étais personnellement intéressée par les relais en Europe orientale. Vous avez souvent mentionné des personnalités intéressées par celle-ci. Ouais, merci. Du côté de la Roumanie, oui. De la Hongrie, côté ukrainien aussi, oui. Donc ça pourrait être aussi un sujet de débat. Mais... Je peux rajouter une chose ? Oui, très vite, hein. L'Institut catholique, j'attends toujours la réponse de l'Institut catholique de Toulouse. Voilà. D'accord. Donc, affaire à suivre. Ce que je vous propose, c'est que dans les 20 minutes qui nous restent avant qu'on clôture cette séance, d'ouvrir le débat. Entre avec des questions que vous pouvez adresser en français ou en italien à nos trois orateurs de l'après-midi. S'il n'y en a pas, je peux commencer. Hein, sinon, voilà. On a peut-être une question pour. Plutôt pour nos deux premières oratrices, qui peut être posée sur la question de la reconstruction de l'Europe après la Seconde Guerre mondiale, avec beaucoup de destruction d'églises, de lieux de culte. Est-ce que la réflexion sur l'art contemporain a pu être stimulée et relancée finalement avec l'idée de qu'il fallait reconstruire et peut-être reconstruire autrement, c'est-à-dire que l'accélération, donc vous avez parlé d'une longue période, du début du XXe siècle aux années 70, cette mutation du rapport à l'art contemporain, est-ce que la Seconde Guerre mondiale, avec toutes ces implications aussi anthropologiques, au-delà des destructions, est-ce qu'il y a eu un effet, est-ce que vous le percevez d'une façon ou d'une autre, tant dans l'évolution de Montini par exemple, ou alors dans le témoignage d'artistes qui ont été au contact direct avec Maritain. Ah, celui-là. Si, tout à fait. Oui, en italien. C'est pas seulement après la Deuxième Guerre mondiale, mais en fait. Après la Première Guerre mondiale qui commence un débat très précis autour du problème de la reconstruction et de la mémoire et de la possibilité de changer, d'innover à travers ce qui vient détruit après une guerre. Qui c'est un des moyens plus frappants et dramatiques d'une perte. Et donc c'est un débat très complexe parce que c'est jamais un débat, comment est-ce qu'on peut dire, européen. Mmh. En fait, c'est un débat très associé, lié à la réalité anthropologique, sociale de chaque communauté. Donc ça peut arriver à des idées nationales, mais en fait c'est
très différent comme la reconstruction en Italie entre le nord et le sud par rapport à l'Allemagne qui a pris une position très précise qu'il fallait refaire comme il était, exactement où il était, la France, l'Angleterre, l'Espagne, et ce sont des positions tout à fait différentes qui, à propos de l'architecture sacrée, ont tout à fait engagé aussi les architectes et les artistes. Et il a été aussi une opportunité. L'épisode de Couturier autour de Plateau d'Assy, qui était une église nouvelle, ce n'était pas une reconstruction, mais c'était un projet nouvel qui a été réalisé après la guerre. Il a été la démonstration que c'était l'occasion pour engager les artistes, pas seulement les artistes chrétiens, catholiques, mais les artistes en qualité d'artistes, premièrement, et de citoyens, d'être engagés dans cette nouvelle défi, en fait. Et ça a été très sensible aussi pour Montini, ouais. Bien évidemment. À Milan, les Cento Chiese. Merci beaucoup. Je vais seulement ajouter que quant à Severini, finalement, il a beaucoup travaillé dans la Maison de Dieu, mais uniquement en Suisse. Donc, il a beaucoup souffert, en effet, du manque de. Il aurait bien aimé s'éprouver, s'essayer à l'art d'église en Italie aussi, en France, mais il a été effectivement exclu, par exemple, aussi d'Assy. Et à propos d'Assy, il y a beaucoup de lettres avec Maritain où il s'interroge à propos précisément du fait d'impliquer des artistes qui ne sont pas des croyants. C'est un thème qui le hante véritablement. Et d'ailleurs, il y a des lettres que j'ai retrouvées de Maritain à Rigamet, des lettres entre la journée et Maritain aussi à propos de ce sujet. Et Maritain dit, bon, et c'est vrai que c'est une tentative réussie, qu'il faut démontrer qu'un engagement est possible, mais ça doit être en quelque sorte un épisode. Parce qu'il ne renie pas son idée que l'artiste qui travaille dans une église doit avoir ce cœur. L'art pour Dieu suppose Dieu dans l'âme, en fait. Donc, c'est ce qu'il avait dit. La position différente entre couturier, voilà. Montini et... Exactement, exactement. Et donc, la réelle distance. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a une question dans le public. Par jour, et quand mes parents étaient mélancoliques, au fond, vous
N'existe plus. Difficile de manger. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, questions, commentaires? Oui, je crois que Michel Foucade. Question. Merci. J'avais une question pour Frédéric, je ne sais pas si tu vas avoir le temps de faire la réponse. Synthétique. Général, c'est minimum une heure. Hein. Vas-y, pose toujours. C'était, quand tu diagnostiques d'abord la photographie comme art, hein, je n'ai pas trop compris dans ton propos s'il y a des éléments techniques qui expliquent ça, ou si simplement, l'air du temps, tu incrimines. Ou est-ce qu'il y a des éléments techniques qui font que tu photographies plus? Quand je parle de la mort de la photographie, c'est de la mort culturelle et institutionnelle. C'est-à-dire que vous avez vu les deux exemples, les deux décisions du ministère de la Culture sonnent le glas de la photographie avec un grand P majuscule. Les deux seuls auteurs, j'en ai consulté beaucoup, qui mettent un P majuscule à la photographie, c'est Nadar et Barthes. Et donc, il y a une dignité de l'acte photographie et de la chose photographique qui est battu en brèche par ces décisions. Le déclassement de la photographie au ministère de la Culture, c'est quand même pas rien, hein, ça veut dire moins de moyens, moins de personnel, etc. Donc, on la déclasse culturellement, et cette espèce de slogan d'une vulgarité déconcertante, bien ciblée par Martine Parr, qui est « tous photographes ». Non, on est tous photographes, accessoirement, par l'évolution des technologies. Vous avez vu ce qui est arrivé au premier de l'an à Paris en 2024. Il y a un YouTuber qui montre cette vidéo des Champs-Élysées avec des dizaines de milliers de gens qui attendent le compte à rebours et on voit une forêt de smartphones. Et il dit, chose surprenante, on est dans une bascule dystopique, c'est-à-dire que l'acte photographique perd de sa substance. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si vous me branchez là-dessus, on en a encore pour une heure. Ouais, c'est ça. Je tout de suite. Alors, je voudrais remercier pour finir du coup tous nos trois intervenants, le public, pour cette session de l'après-midi. On va se retrouver pour partir. Donc pour les participants au colloque. On va rejoindre l'ambassade de Sang et pour tout le public. Donc, on se retrouve demain matin, ici même, à 9h précise. Voilà, merci beaucoup et bonne soirée.